Hello, I'm Doug Walker, and you're watching Zone Geek. There's medicine for that. Enfin, un festival sans les deux autres cons. Ça va être tellement plus tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Si toi aussi tu aimes les saucisses de Toulouse, si toi aussi ta mémé aime la castagne, si toi aussi tu as fait des milliers de kilomètres pour manger un cassoulet qui est presque aussi bon que dans le supermarché du coin Bruxelles. Bienvenue à la Zone Geek. Alors ici on est à Toulouse forcément, comme vous pouvez le constater, il y a un mur toulousain derrière nous. Typique de Toulouse, oui, en effet. C'est une ruelle sombre. Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part, ce mur derrière. Oui, une sombre histoire de missionnaires, choses comme ça. Oui, c'est un mur qui vient du futur, puisque là, nous sommes sur le stand du visiteur, le visiteur du futur, qui n'est pas encore là, mais bon, alors on en profite. Je crois qu'on peut dire qu'on squatte. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on squatte. Oui, je vais perdre cet accent, mais il reviendra, sachez-le. Eh bien, au Toulouse Game Show, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a le Nostalgia Critique, un petit peu la référence ultime du web, hein, après le Angry Video Game Nerd, je dirais ils sont au même niveau. Et mais il y a aussi, il y a pas nos amis belges de Saturday Man, il y a plein de belges à Toulouse. Et puis il y a aussi les acteurs de l'actrice de True Blood, des gens de Stargate, Marcus, un chômeur récidiviste qu'on a croisé au détour d'un chemin. Ainsi que des lépreux itinérants. Et des évadés fiscaux. Tout ça pour vous dire, c'est le TGS, ça commence maintenant. Alors, nous sommes ici avec un illustre personnage qui est un peu canin. Alors, Chewbacca, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses des nombres complexes en adéquation avec les théories trigonométriques du complexe alpha ? Je n'aurais jamais envisagé ça de cette façon-là. Bon, Chewbacca, j'ai une autre question du même niveau. Comment tu fais après être passé aux toilettes, franchement, avec autant de poils ? Alors, nous sommes ici avec Luigi. Salut, Luigi. Bonjour. Alors, je vais te demander, en tant que player 2, ça fait quoi d'être le poulie d'or du jeu vidéo ? Je saute plus haut. Bonne réponse de Luigi. C'est officiel, Nurgle s'est rabiboché avec le Slenderman, maintenant et à Toulouse. Ici avec un certain Benzaï, je voulais te poser une question en fait, on te l'a sûrement jamais posé par rapport à ta comédie musicale qui s'appelle Computer and Spaceman, a true space opera, donc l'homme de l'espace et l'ordinateur, un vrai space opera, un vrai opéra de l'espace. Donc c'est une comédie musicale de 13 minutes 50 que j'ai présentée là, par exemple très récemment au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, et j'ai reçu le mail juste avant le salon, comme quoi je ne suis pas retenu pour la compétition. J'en suis vraiment quand même très fier. Alors je sais pas si c'est encore vraiment du chauvinisme ou quoi que ce soit, mais je t'assure que c'est vraiment mon bébé, je l'adore quoi. Je m'en lasse pas de le regarder, je me dis il y a vraiment quelque chose quoi. François Descraques m'a fait beaucoup de compliments, je l'ai montré aussi à Florent Dorin, l'acteur principal du Visiteur du Futur. Et il a fait « Waouh, mais donc t'as trop de talent, c'est cool et tout », et j'étais là « Putain, il y a quelque chose quoi, je suis sûr que ça va plaire ». Mais ça a plu à la Zone Geek, savais-tu que j'avais fait un cosplay Computer and Spaceman au bal des vampires du festival, on t'enverra la photo qu'on peut voir maintenant. Quel est le truc le plus dégueulasse que tu as vu dans un hentai? Le plus dégueulasse que j'ai vu dans un hentai, je crois qu'il y a un truc, t'as un manga où la meuf en fait faisait un shooting genre en petite culotte et tout, près d'une ferme, tu sais, pour style un peu playboy machin, et en fait la nuit elle sortait de sa loge pour aller sucer un taureau.
Et en fait, c'est l'assistant caméraman qui la revoit en train de faire ça. Et du coup, il fait, mais en plus, ça vous fait jouir. Du coup, il y a du lait qui sort de vos seins. Et du coup, il la trait, il la branche sur la treilleuse pendant qu'elle suce le taureau. Et j'étais là, ça commence à aller loin, ce bordel, quoi. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Intéressant. Goldo, j'ai une super bonne nouvelle. Quoi ? J'ai retrouvé un Stormtrooper qui a survécu à l'explosion de l'étoile noire. Non. Juste là. Il s'appelle comment ? Bob, je pense. Tu crois que je peux lui poser une question ? Bah bien sûr. Bon allez, pour le journalisme, on va lui poser une question. Bob, ça fait quoi d'avoir vu Dark Vador au réveil ? Eh bien, depuis que je suis handicapé à 66%, ça va beaucoup mieux avec ma nouvelle mutuelle. Eh oui, Seigneur, on t'avait dit de ne pas aller en Grèce. Non seulement il était obligé de revendre son armure, mais en plus il a dû changer de sexe. Eh ben oui, obligé, hein, pas d'argent, donc j'ai dû faire autrement. En plus, je crois que j'ai même dû vendre un organe. Toujours au Toulouse Game Show, devant cette gigantesque file, ben, on se disait, Goldo, il faudrait qu'on trouve un petit running gag à faire. Hein. Oui, on a toujours des running gags. Souvenez-vous, le Gangnam Style, enfin le Zone Geek Style. Souvenez-vous des baffes de Gilus dans sa gueule. Bien mérité. Et qu'est-ce qu'on va faire, là ? Ben, je sais pas, c'est quoi le phénomène du moment, finalement ? Ben, y avait le planking. C'est quoi ? Quand tu fais la planche au milieu de plein de gens, il y avait le nursing. Ah mais ça j'ai fait ça, c'est quand tu mets des couches à des gars. Ouf. Voilà. En fait en gros, faut que ça termine en ing à chaque fois. Ça doit finir en ing. Alors on est à Toulouse, qu'est-ce qui mange à Toulouse en fait ? La choucroute, non, ça c'est en Alsace. Ici ils mangent pas du cassoulet. On va faire du cassouling. Mais voilà l'idée, du cassouling. Eh bien, qu'est-ce que le cassouling ? Le cassouling est le nouveau phénomène qui va détruire la bulle internet. Le cassouling nécessite une boîte de cassoulet, d'une bonne marque. Ensuite, il faut se la mettre sur la tête. Et puis danser frénétiquement sur des chansons ringardes, telles la merguez partie. C'est parti pour du cassouling, maintenant. C'est la merguez, merguez partie, tant bien la dresse. Retour vers le passé ici avec des gloires, hein, des gloires, les musclés et Monsieur Corbier. Alors bonjour, vous allez comment les amis ? Tu as vu que toi c'est Monsieur Corbier et nous les musclés. Et tu as remarqué déjà ça, tu vois, c'est ça. Ça commence comme ça. Non mais moi si vous continuez comme ça, je fous le camp. Enfin, tu comprends ? C'est Monsieur Corbier d'abord et après éventuellement on parle des musclés. Mais pas l'inverse. Merde, quand même, vous deviez le savoir depuis le temps. Alors j'ai deux questions précises. Alors la première c'est par rapport au concert qui vient d'avoir lieu là à l'instant. Mais vous avez de l'énergie, c'est bien, énergie communicative. J'ai beaucoup aimé certains moments, comme les chansons brèves de Monsieur Corbier. Alors, est-ce que ce sont des chansons instinctives ou est-ce qu'elles ont été mûrement réfléchies ? Non, ce sont des chansons qui sont écrites. Pour chaque chanson qui dure environ une dizaine de secondes, il me faut entre 2 et 3 ans pour la mettre en place. Alors, c'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien, mais il manquerait plus que tu dises que c'est pas bien. J'aurais pu le dire. Oh, ce qu'il est désagréable, ce garçon. Alors, donc, j'écris ces chansons,
je les chante, ça fait 40 ans que je les chante, j'aimerais quand même qu'on ait un peu de respect pour ces chansons magnifiques. J'ai une question très importante par rapport au clip de la Merguez Party, qui est un de mes clips préférés après le clip Smells Lightning Spirit de Nirvana, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Ah bon ? Ouais. Non mais c'est vrai. Alors... Le chanteur, il est toujours vivant. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'aucuns auraient peut-être préféré que ce fût l'inverse, mais bon. Alors, deux questions. Alors, d'abord, la température de la piscine. Et deuxième chose, est-ce que les viandes étaient cuites ? Est-ce qu'elles étaient comestibles ? Oui, on a tourné en été, donc l'eau était excellente, évidemment. Mais la viande. La viande aussi. Mais même les merguez étaient suffisamment cuites. C'est ça que tu me demandais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Les merguez. Comme, tu sais, M. Pat Le Guen était un très bon réalisateur, mais cette fois-ci, il avait quelques petits problèmes techniques, ce qui fait que les merguez ont continué à cuire, et elles étaient vraiment dures, et on les donnait à bouffer aux filles, et c'était terrible. Quelle horreur. Non mais il faut dire une chose, c'est que c'est pas de la faute ni de Pat, ni des copains musclés, ni des filles, c'est simplement parce que c'était une petite prod, ils pouvaient pas acheter 3 paquets de merguez, tu comprends ? Vous étiez dans Dorothée, non, c'est à côté, bientôt à Wavre. Framboisier Eric aussi, bientôt à Bruxelles pour une visite, et bien d'autres choses encore. Merci les gars. Bon, alors, Marty McFly Junior, si jamais Griff rentre dans le Café 80, qu'est-ce que tu dois lui dire ? Non. Voilà, tu lui dis non. Non. Bien sûr, je lui dis non. Parce que cet événement risque de déclencher un ensemble. Une chaîne et qui va détruire jusqu'à la destruction de ma famille. Tu sais ce qui se passe avec les avocats, hein ? Ouais. Depuis qu'on les a supprimés... La justice est très rapide. Merci Marty McFly Junior. Mais salut à toi, très cher ami Lego. Est-ce que ça te dirait de t'embriquer avec moi ? Alors, Sam, ça va ? Ça va. J'ai une question très importante concernant Saturday Man. Quelle est ta partie préférée du corps féminin ? La vulve. Très bonne réponse. Que penses-tu du viol des pandas d'Afrique ? Les goûts sont dans la nature. Surtout les poils. Est-ce que tu as déjà vu des vidéos pornographiques sur les petits poneys ? Une fois, mais je préfère plus y penser. C'est bien ce que je pensais. Eh bien Sam, j'ai une question à te poser. Tu préfères dormir dans une baignoire avec des seringues usagées ou manger des excréments humains dans un conteneur revenant d'Anvers ? Je trouve que l'exploitation des mineurs par des soldats asiatiques enfermés dans les containers est absolument impropre à la consommation. Des mineurs de fond, évidemment. Oui, parce que dans le fond, on est moins cons, quand même. Venez, j'ai trouvé un nouveau super concept incroyable. C'est du cassouling. Ça consiste à danser, mais avec une boîte de cassoulet sur la tête. Ouais, et Bah, tu veux pas le faire ? Ouais, je sais pas comment ça faire des simagrées avec une boîte de cassoulet, quoi. Des simagrées de canard. Elle est trop forte, celle-là. On enregistre, c'est bon. Ah, c'est dans la boîte. Alors je suis ici avec le Sat Panda.
Ah non, c'est moi, ouais. Exactement. L'homme qui fait des tutoriels, est-ce qu'on peut s'attendre à un jour un Happy Panda ? Non, parce que je pense que ça détruirait l'univers en fait. Ça créerait un paradoxe assez puissant qui devrait tout détruire. Donc, T'as déjà essayé le sport extrême de la fellation d'ours brun ? Non, mais j'ai un ami qui l'a fait. Et apparemment, c'était assez intense, mais bon, il est mort, donc il n'est pas là pour témoigner de ça. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'est quelqu'un qui est assez adepte de mettre les dents. Et l'ours n'a pas apprécié, quoi. Voilà. Je comprends. Un mot peut-être pour tes collègues de That Guy with the Glasses et des collègues francophones, vidéo, etc., etc. Je vous déteste tous, sans exception. Ça nous fait plaisir. Qui a dit qu'il n'y avait que des petites filles de 16 ans avec des robes aussi courtes que celles de leur poupée Barbie ? Il y a des vrais hommes, des gens virils, des gens qui frappent. Alors, Tony Stark, comment vas-tu ? Ah ! C'est pas Tony Stark ? Non, c'est pas Tony Stark, non. Alors dis, t'es venu avec une bagnole de luxe ? Ouais, elle est garée devant à l'entrée. Et t'aurais pas des plans pour être aussi cool et se faire autant de meufs que toi ? L'argent. Je savais que t'étais un individu vénal, je me casse. Doug Walker from The Nostalgia Critics, That Guy with the Glasses. A serious question. About demo reel. What is the reaction of the fan? How it's going on, demo reel? Oh, what reactions with the fans? Well, I mean, as we know, everybody loves things that are, you know, new and different, and they're always open to change. So the reaction from our fan base has been unbelievable, you know, with the kindness of people trying to give back, you know, such critical feedback as they do in the kindness of ways. But when we go to other people's sites and see what they think, they're like, oh, hey, this is pretty good. So we do check other sites as well to see how we're doing. Even though we of course do listen to our fan base as well, that the ones that, you know, we figure actually have a clue. But no, in all seriousness, we try to take all the criticisms that we can, and any ones we agree with, we try to change. And when we think we have something good, we're just like, no, let's stick with what we think is good. Listen, I have an idea for a movie. Tell me what you think. It's called Sparkling Mummies versus Gay Creatures from the Black Lagoon. They did that. It's called Twilight. Oh, yeah, that's right. They just switched around one or two of the supernatural elements, but it's essentially the same thing. Yeah, kind of. Just a last question. So we come from Belgium. So do you have a quick word for Jean-Claude Van Damme? Waffles. Great word. I like that. And what do you know about Belgium? What are your ideas about Belgium? They make good waffles. Yeah. Beers? And beers. Sometimes waffle in the beers. And that's about all I know. Okay, and can you please talk a little bit about your new projects for Belgian people? Well, we have no new projects for Belgian people, but we do have some new projects for us. We are doing, like I said, we started Demo Reel, and we're doing all sorts of, we're trying out all sorts of different things with that. We did get pushed back a bit on some of the other shows, but we're getting those moving forward. We are doing an interview show. We just started Sibling Rivalry, which is going over very well. And we got game shows coming as well, so a lot of cool stuff is coming. Great! One last question. What can you say to us in French? You choose. I can say oui. Oui? Oui. Non? Non. Peut-être. Oui. Merci Doug. On t'aime, on ne t'oubliera jamais. Thank you Doug. We love you. We'll never forget you. Thank you. And I love your waffles. Thank you. Ainsi se termine ce Toulouse Game Show TGS, merveilleux, des rencontres uniques et surtout une boîte de cassoulet. Ah, je crois que c'est une boîte de cassoulet qui a fait le tour du monde. Non mais franchement c'était très chouette, on n'est pas venu pour rien, ah, on n'a pas chômé, que dire de plus ? Ben simplement que je pense qu'au final le TGS ben, c'était de la bombe ! Je ne brandis aucun drapeau, je ne veux suivre aucun troupeau. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'ai ni maître, ni gourou, ni contre-maître, rien du tout. À Kumako c'est bien, Toulousain. Je n'ai jamais envié quelqu'un, je ne suis jaloux de tes gueules. À Kumako c'est bien, Toulousain.
je n'attends aucun messie, je n'aime pas les utopies. À Koumako c'est bien, ça c'est bien Toulousain. Je ne me sens jamais vaincu, je ne me sens jamais cocu. À Koumako c'est bien, ça c'est bien Toulousain. J'accable pas les perdants, je ne me sens jamais gagnant. À Koumako c'est bien, ça c'est bien Toulousain. J'en veux pas à qui que ce soit, je ne m'en prends jamais qu'à moi. À Koumako c'est bien, ça c'est bien Toulousain. Je ne crains pas les puissants, je me sens pas impuissant. À Koumako c'est bien. C'était quoi la suite? Je sais plus.